Salut tout le monde, salut Meeple, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle présentation d'une vidéo de Vendée Militaire. Donc c'est un jeu qui est en précommande, c'est pas une campagne Kickstarter, c'est pas une campagne Ulule, ni une campagne Gamefound, c'est en précommande directement sur le site de l'éditeur Chaco. Donc Chaco, petit éditeur, non, éditeur français qui nous sort un bon nombre de wargames et d'excellents wargames. Donc là on est en précommande sur leur site, je vous mets la description, le lien dans la description qui est en dessous de cette vidéo. Allez regarder si ça vous intéresse, allez voir sur leur site. Ça doit arriver pour fin d'année, je crois. Donc, on vous transporte dans les combats de la chouannerie. Donc, Vendée Militaire en 1793-1794, dans cette période trouble de l'histoire, où les Chouans se sont révoltés contre la jeune République pour leur bon prêtre et pour Dieu et pour le roi. Et la République a envoyé ses troupes et ensuite les colonnes infernales pour mater la révolte. C'est un jeu pour deux joueurs qui peut se jouer jusqu'à quatre joueurs. Un jeu d'une trentaine de minutes pour 14 ans et plus. Donc un jeu basé sur sur notre histoire, sur l'histoire de la France. Alors, la mise en place, le plateau et le matériel pour bien comprendre comment on joue à ce petit jeu. C'est un jeu en lequel on va jouer sur des hexagones, des grands hexagones, hexagones qui sont double face. Couleur, alors je sais pas si ça se verra bien dans la vidéo, mais couleur bleue ici, couleur blanche plutôt. Après, c'est exactement la même chose, hein. Donc c'est vraiment ici, on a un noir moutier, vous voyez, rien ne change, c'est vraiment juste la couleur dominante qui change, bleu ou blanc. Tout simplement, ça présente le contrôle qu'on en a. Ici, si sur une couleur bleue, c'est le joueur républicain, le joueur bleu qui contrôle l'hexagone. Si on est sur un blanc, c'est le joueur blanc, le royaliste qui contrôle. La mise en place ici, on a 14 hexagones. Donc là, ils sont mis en place d'un point de vue géographique. Hein, donc, on a ici la ville de Nantes, puis ensuite toute la Vendée, hein, La Rochelle, Niort, Angers, donc tout ce secteur-là. Donc voilà, soit vous respectez la géographie en plaçant ces hexagones de cette façon-là, soit vous voulez vraiment faire une partie comme vous voulez et vous les mettez dans le format, dans la forme que vous souhaitez. Ensuite, on a des forteresses. Pareil, les forteresses sont soit de couleur bleue, le fond, ou couleur blanc, si ça ne vous va pas, faites-moi confiance. Il y a deux, on commence à partir avec deux forteresses. Pour le républicain, deux forteresses pour le joueur royaliste, le joueur blanc. Le but du jeu, c'est de contrôler ces territoires, de contrôler ces forteresses, pas de tout contrôler, mais d'en contrôler plus que son adversaire, pour marquer des points de victoire. À la fin de partie, on va compter ces points de victoire. Chaque territoire, chaque hexagone contrôlé, c'est deux points de victoire. Une forteresse, c'est trois points de victoire supplémentaires. Donc, à vous de calculer pour qu'en fin de partie, vous ayez plus de points de victoire que votre adversaire. Alors justement, à la fin de partie, ça va se jouer en fait entre 3 et 6 manches. Pourquoi entre 3 et 6 manches? Parce que le jeu de base est en 3 manches. Ça sera au moins 3 manches, on ne va pas descendre en dessous. Et puis d'abord, on va jouer des cartes qui ont des effets. Certaines cartes vont venir allonger le jeu, si je peux dire. Jusqu'à 6 manches, on ne pourra pas en jouer plus. Donc voilà, le jeu aura une durée plus ou moins variable. Et vous verrez que les joueurs ont intérêt soit à allonger le jeu, soit à essayer à raccourcir la partie. Sinon, ça va jouer avec des cartes. Voilà, c'est un jeu un peu une sorte de bataille, vous allez voir, avec des effets de cartes. Mais on va choisir nos cartes, donc ce n'est pas juste retourner des cartes. Un jeu de bataille, on a chacun un paquet de cartes. Ce paquet, il y a des cartes de niveau 1 qui sont au-dessus, des cartes de niveau 2 qui sont en dessous. Hein, donc on le voit ici, il y a un petit 2, ici il y a un petit 1, tout simplement. Donc chacune est mélangée de son côté et on les met les deux en dessous, les 1 au-dessus. Pareil pour le joueur de la République, joueur bleu. Et donc c'est des cartes avec des valeurs en fait. Donc simplement c'est des valeurs de 1 à 5. Tiens, je vois qu'il y a une carte bleue qui est dans mon état. Des cartes qui ont une valeur de 1 à 5 et des cartes qui ont des bonus. Donc ici c'est une carte de valeur de 3. Ici, c'est une carte qui apporte un bonus de plus 2. Donc, les cartes de bonus qui est plus 1 ou plus 2, soit vous les jouez en forme bonus qui vous apporte des points supplémentaires, soit vous la jouez pour leur valeur, donc pour 1 ou 2. Ensuite, sur cette carte, on a des effets. Donc, souvent, on va appliquer les effets quand elles sont jouées. Ça peut être voilà, des prises de territoire, des forteresses qui disparaissent, on rajoute des tuiles. Enfin, il y a plein de petits effets. On annule les cartes des autres. Et puis, elles ont une nomenclature ici, militaire, territoire. Donc soit elles ont les deux, donc comme ici, hein, cette carte-ci a militaire et territoire, soit elles n'ont que militaire, soit elles n'ont, et je vais en trouver une, j'espère, que territoire. Vous allez voir, c'est important parce qu'il va falloir jongler avec ces mots-là. Alors, comment est-ce qu'on débute? Tout simplement, on prend ici notre petit tableau de jeu, et ça vous dit le nombre de cartes qu'on pioche en début de manche. Pour chaque manche, donc le joueur républicain bleu pioche toujours 7 cartes, alors que le joueur blanc, il va piocher 7 cartes pour les 3 premières manches, et ensuite il va piocher 6 cartes pour la quatrième manche, 5 cartes pour la cinquième manche et 4 cartes pour la sixième manche. Donc il a de moins en moins de cartes. Donc là on pioche nos cartes. Donc le joueur blanc, 7 cartes tout simplement. Le joueur bleu, pareil, il prend 7 cartes en main. Voilà.
Ensuite, c'est donc le joueur qui est indiqué sur le plateau qui commence. Donc, c'est toujours la première manche, c'est toujours le joueur bleu qui commence. La deuxième manche sera le joueur blanc et on va alterner comme ça. Donc, la première manche, c'est une succession de combats. Donc, c'est le joueur bleu qui commence. Il doit désigner un territoire où on combat. Plusieurs possibilités. Soit il décide de combattre dans un territoire qu'il contrôle. L'intérêt, c'est que s'il remporte le combat, il pourrait y placer une forteresse. Donc, 3 points de victoire supplémentaires. Au contraire, il peut décider de combattre dans un territoire contrôlé par un joueur blanc où il y a une forteresse blanche. Comme ça, s'il gagne, il enlève la forteresse. Et enfin, il peut combattre, décider de combattre dans un territoire contrôlé par le joueur blanc. Et s'il gagne, eh ben, tout simplement, il retournera le petit hexagone et il prendra contrôle du territoire. Alors déjà, donc, il désigne quel territoire il veut combattre. Ici, joueur bleu. Première chose, c'est qu'on regarde ici les deux chiffres. Et ça indique le nombre de cartes supplémentaires qu'on va pouvoir piocher. Donc ici, le joueur bleu pioche 0 cartes, ce qui n'est pas un très bon choix, mais... Et le joueur blanc, lui, pioche 2 cartes supplémentaires. Voilà. Ensuite, le joueur bleu donc, doit commencer, c'est l'attaquant. Il doit jouer une carte, ou deux cartes s'il joue une carte bonus. Donc il joue n'importe laquelle, n'importe quelle carte. Il va jouer une carte ici de valeur 2. Sans effet, il n'y a pas d'effet. Il dit, je joue une carte de valeur 2, territoire. Son adversaire, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit jouer une carte avec le même mot-clé, donc territoire. Et il doit surenchérir. Il est obligé de surenchérir, donc de jouer une carte de valeur 3, 4 ou 5, ou avec ses bonus. Il est obligé. S'il peut le faire, il doit le faire. S'il ne peut pas le faire, s'il a pas, s'il a que des cartes de valeur 1 ou valeur 2, bon, il passera et on verra ce qui se passe. Mais en tout cas, là, il va regarder s'il peut surenchérir. En début, on peut souvent quand même surenchérir. Donc là, il peut dire, bah tiens, moi je joue. Il y a une carte de territoire. Hein. Attention. Il peut dire, je vais jouer ça, j'ai pas trop le choix. Bon, je vais jouer une carte de niveau 4, territoire, je suis supérieur, il n'y a pas d'effet de jeu. Là, c'est maintenant au républicain de rejouer, donc lui, il doit surenchérir sur la valeur de 4 en respectant le mot de clé territoire. Donc là, il va jouer, par exemple, ici, il joue une carte. Territoire de valeur 4, donc il surenchérit pas, mais il joue un bonus supplémentaire. Donc ici, il joue bien 4 plus 2, 6, c'est supérieur au 4. L'effet là, ça vous rappelle juste que c'est un plus 2. Ça vous rajoute 2 points. Donc ça vous fait 6. Le joueur blanc doit maintenant passer, doit jouer. Donc là, 6, il n'y a aucune carte qui permet d'avoir une valeur de 7. Donc soit. Bah, il n'a aucune carte, soit il veut quand même essayer de combattre, et là il voulait jouer avec des cartes bonus, donc par exemple il peut jouer un. Bah là il va dire non, je préfère ne pas jouer. Alors, soit il s'arrête là, soit il y a un autre effet qu'il peut utiliser, que je n'ai pas expliqué encore, ce sont les généraux. À chaque manche, vous avez un général disponible. Donc pendant la première manche, le joueur blanc il a 4 lignes qui est disponible, et l'autre, le joueur bleu, il a l'échelle. Après, c'est l'escure qui viendra. Pour le joueur blanc, Rossignol, DLB Kléber, La Roche-Jacquelin, Charette, Soufflet, ou sinon Turo, Westermann et Carré-Clos. Il peut dire, je peux essayer de le jouer, il a accès à son général une seule fois durant toute la manche, hein, donc pour les combats suivants, il n'aura plus accès. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend, et donc s'il dit, je veux essayer de je faire jouer mon général, il doit lancer un dé, et il doit faire une valeur qui soit strictement inférieure ou égale à la valeur du général pour l'utiliser. Donc là, il doit faire un jet de dé entre 1 et 3. Vous voyez l'échelle au début, pour le joueur bleu, la première manche, c'est compliqué parce qu'il doit faire un 1 pour l'avoir. Donc il lance son dé. Donc là, il fait un 4. Ça ne marche pas. Catino a échoué. S'il avait fait un 2, et ben, ce qui se passe, tout simplement, c'est que dans ce cas-là, en fait, les cartes qui viennent d'être jouées par son adversaire sont défaussées. Elles sont annulées et il doit jouer une autre carte. Donc là, quand il devrait jouer, il pourrait jouer un 5 territoires, par exemple. Le joueur blanc, là, bon, il n'a plus accès à son général, il ne veut pas défausser trop ses cartes, il dit bah j'arrête. Défaite du combat. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc si l'attaquant gagne, comme je disais tout à l'heure, soit il construit une forteresse, soit il enlève une forteresse, s'il y avait une forteresse ennemie, soit il prend possession du territoire. Si c'est le défenseur, il n'y a rien qui se passe. Donc là, le joueur bleu a gagné, il prend possession du territoire. C'est toujours le joueur blanc de jouer, donc les cartes qui ont été jouées hein, sont défaussées. Voilà. Et on continue de jouer, chacun avec son nombre de cartes. Hein. Donc vous voyez, le joueur bleu, il ne reste que 3 cartes. Le joueur blanc, il reste beaucoup plus de cartes. Et maintenant, il va falloir être assez tactique et assez fort dans son jeu. Puisque maintenant, c'est au joueur blanc donc, de dire où il attaque. Soit il peut dire, bah, tiens, je réattaque le territoire que j'ai perdu. Soit je vais venir ici attaquer, je vais vouloir faire une forteresse. Par exemple, ici. Donc ici, je vais faire une forteresse pour marquer plus de points de victoire. Donc je prends une carte et le joueur bleu une carte. Et ensuite, je dois jouer. Il commence avec une petite carte
qui est une carte de valeur 1, militaire au territoire, mais qui est un événement, qui vous dit que je peux enlever une forteresse ennemie ou placer une forteresse ennemie sur un hexagone côtier. Donc l'hexagone côtier, c'est le numéro 1, c'est pas mon 2, 4, 8, 12. Donc là, bah, je dis, bah, tiens, moi j'ai placé une forteresse ici. Et comme ça, si je gagne mon combat, j'aurai déjà 4 forteresses, excellent. Le joueur adverse, bon, il veut pas, le bleu, il veut pas, bah, il faut qu'il surenchérisse, hein, il est obligé. Sur une carte, bah, là, il peut jouer, par exemple, ses militaires au territoire, donc il joue ce qu'il veut, il joue un militaire niveau 2. Le joueur blanc, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il joue une carte de valeur 3 face à l'autre militaire, donc là, c'est un combat acharné, donc lui, bah, tiens, il joue une valeur de niveau 4. Il décide de augmenter 5. Et là, et ben là, l'autre joueur, il peut pas surenchérir parce qu'il ne reste que du 5, donc c'est pas supérieur, et du 2, et c'est pas un bonus, donc il peut pas jouer, il est obligé de s'arrêter, il passe. Donc, les cartes qui ont été jouées sont défaussées. Les cartes sont défaussées, attention, l'événement unique, lui, est retiré de la partie. Le joueur blanc a gagné, il met en place une forteresse. Il a créé une ligne de forteresse, ça va. C'est au joueur bleu de jouer, il lui reste que 2 cartes, donc il va falloir être assez fin. Donc il va dire, bah tiens, moi je vais essayer de construire maintenant, bah, il n'y a plus de forteresse. Donc, je vais prendre ce territoire-là. Non, pas une bonne idée. Je vais essayer de prendre ici ce territoire-là. Pas une bonne idée parce que là, le joueur blanc pioche des cartes et pas moi. Là, tout le monde pioche une carte. Donc, je pioche une carte et je commence à jouer. Donc là, il peut dire, bah tiens, allez, je joue une carte de valeur 3 en territoire. Et l'autre, qu'est-ce qu'il va jouer? Il va jouer. Alors, quand il peut jouer cette carte-là, qui est une carte sans valeur, mais militaire au territoire, et qui vient tout simplement annuler la carte qui vient d'être jouée. Donc celle-ci, hop, elle est défaussée. Voilà. Donc il doit rejouer une carte. Ça m'embête bien. Il voulait jouer une carte de valeur 2. Et là, donc territoire, je peux jouer une carte de valeur 3 en face. Est-ce que j'ai une carte territoire? Je n'ai pas de carte territoire, donc je ne peux pas surenchérir. Hein. J'ai une carte 5, je ne peux pas surenchérir. Donc là, bah, il a échoué dans son combat. Donc on défausse les deux cartes. Et il se passe rien. Le joueur blanc lui peut se dire, bah tiens, là je vais reprendre mon territoire. Excellent tour, je peux piocher deux cartes. Donc là, il a très bien joué le joueur blanc, par exemple. Et là, il a encore une grosse main que le joueur bleu n'a plus rien. Donc ça va être très compliqué. Il peut jouer ici, il peut jouer un. Allez hop. Il joue un 4 plus 2. Le joueur blanc, bien sûr, bleu ne peut pas surenchérir sur ça. Donc ici, il reprend contrôle du territoire. Voilà. Par exemple. Et on passe la main, donc ça c'est défaussé. Et on passe la main au joueur bleu qui doit en fait bah, cette fois-ci doit rejouer. Donc il veut dire bah tiens, de toute façon il va pas réussir. Hein. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va jouer là. Le joueur bleu blanc reprend deux cartes. Hein, donc ça ce territoire est très dur à prendre pour le joueur bleu. Il va jouer sa carte de valeur 5. L'autre il va jouer bah, une carte militaire plus genre une carte 4 plus 2, 6. Donc le combat est perdu. Donc on défausse. Et le territoire reste pour le joueur blanc. Alors qu'est-ce qui se passe là? Puisque le joueur bleu n'a plus de carte en main. Là, le joueur bleu n'a plus de carte en main. Le joueur blanc lui en reste. Et ben, c'est fin de manche. Même s'il reste des cartes, il ne peut pas continuer à attaquer. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qu'il faut faire très attention, c'est que avoir beaucoup de cartes, c'est bien, mais les garder, ça ne sert à rien. Puisque là, vous ne pouvez plus jouer vos cartes, ben vous les avez, vous les défaussez. Voilà. Et donc c'est une fin de manche. Et on passe à la deuxième manche. Donc ici, on passe à la deuxième manche. Donc on repioche cette carte, deuxième manche. On repioche cette carte des deux côtés et on passe à une deuxième manche. Et on continue comme ça le combat. Là, c'est le joueur blanc qui va commencer hein, le combat. Et on va essayer donc comme ça de combattre, de prendre les territoires et de se piquer. Alors, si on regarde un petit peu les effets, et ben en fait, il y a des effets, donc comme je vous ai vu, qui permettent de prendre des territoires automatiquement, de défaire des forteresses automatiquement, de construire des forteresses, etc. Mais donc, il y a des effets de jeu. Alors, je vais vous les chercher. Alors, il y a celui-ci qui est intéressant. Il y a des effets de jeu qui vous permettent de regarder les cartes. De retirer des cartes adversaires, de regarder votre pioche pour pouvoir voir ce que vous allez avoir. Et puis il y a des cartes ici, pour la victoire décisive, qui est jouée par le joueur bleu. Si vous remportez une bataille en ayant joué 7 cartes, et ben, au lieu de jouer en 3 manches, vous dites plus une manche, vous jouerez en 4 manches. Et pareil, le joueur blanc, lui, il a des cartes qui vous disent, bah, par contre, si vous remportez la bataille, vous revenez à moins une manche, au minimum 3 manches. Donc, vous voyez, il y a aussi ce côté-là. Il y a des cartes qui vous permettent de regarder jusqu'à 3 cartes de votre main, de votre choix, de la main du joueur blanc. Donc vous connaissez un peu son jeu. Vous avez ici la virée de Galerne.
Ces poubelles, si elle est jouée, ça vous permet d'ajouter les hexagones 15, 16 et 17. Ce côté bleu, donc ici, ils viennent ici les hexagones, hein, ils viennent en haut là, comme ça. Tac, là, 15, 16 et 17. Et donc ça vient vous rajouter 2 points de victoire par hexagone, donc 2, 4, 6 points de victoire. Donc ça peut renverser la. Ça peut renverser une partie. Donc ils sont joués au bon moment et si vous avez à piocher. Donc voilà, vous avez découvert un petit peu Vendée Militaire. Donc oui, en fin de partie, bien sûr, on compte les points de victoire. Donc on disait, on compte 2 points de victoire par hexagone qu'on contrôle et 3 points par forteresse qu'on contrôle le meilleur joueur. Alors le joueur avec le plus de points de victoire remporte la partie. Alors, Vendée Militaire, c'est vraiment un système un peu de. On retrouve un peu la bataille, hein, avec nos cartes en main. Alors, c'est une bataille où on regarde nos cartes, donc c'est une bataille ouverte, on sait ce qu'on a en main, on choisit nos cartes, on surenchérit. Alors, on est obligé de surenchérir, déjà, important. Mais il y a un côté assez stratégique dans notre gestion de main. Parce que vous avez compris que le joueur en face a très peu de cartes et qu'il n'a plus de cartes, et bien la manche est terminée. Et si vous-même vous avez une grosse main, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser pour attaquer en tous les sens et reprendre tous les territoires. Non. Dès qu'un des deux joueurs a plus de cartes en main, vous mettez fin à la manche. Parfois, c'est intéressant d'essayer de quand on sent que c'est pas une bonne manche pour nous, de réussir à défausser le maximum de cartes pour vite passer une nouvelle manche et reprendre cette carte, surtout pour le joueur bleu, par exemple. Alors, il faut vraiment bien les gérer, cette main, parce qu'il faut pouvoir bien. Vous avez des éléments uniques qui sont très forts, mais il faut pouvoir les jouer. Sinon, ils sont défaussés et avant de les récupérer, il faut utiliser toute votre pioche et le remélanger et la récupérer, donc c'est compliqué. Et pourtant, ces événements sont très importants. Quand vous pouvez conquérir une forteresse automatiquement, contrôler un territoire automatiquement, détruire une forteresse automatiquement, en construire une, enfin, mettre la percée de la virée de galère, enfin, tout ça peut vraiment retourner votre partie. Donc il faut vraiment bien gérer votre main. Il y a un côté aller chercher les bonnes cartes pour les avoir au bon moment. Certains ont des effets par rapport au numéro d'hexagone. Donc il faudra les jouer plutôt bah, quand on est sur l'hexagone considéré pour avoir une puissance plus forte. Sinon, l'effet ne sera pas actif. Donc il y a quand même tout ce côté stratégique qui vient dans cette gestion de main qui en fait est le cœur du jeu, et dans le cœur du choix de bataille, parce que il y a vraiment des hexagones, quand vous prenez un hexagone qui fait piocher des cartes à votre adversaire et pas à vous, comme le fameux Beaupré, hexagone numéro 6, où c'est joueur blanc qui pioche 2 cartes et joueur bleu 0 cartes, c'est compliqué, parce que vous redonnez beaucoup de cartes à votre adversaire, donc une puissance importante. Donc voilà, il y a vraiment des hexagones qui sont des hexagones clés, ou plus compliqués à prendre que d'autres. Et qui sont ben, parfois les théâtres des combats et qui permettent de remporter la victoire. C'est un petit jeu qui est très rapide à jouer, donc c'est facile à sortir. Vous avez vu, les règles sont super simples, donc vous y rentrez facilement. Vous pouvez le faire vraiment en mode historique ou en mode complètement uchronique, genre géographiquement, je parle, hein, pour faire un peu votre façon de jouer. Ce qui est sympa, c'est que le thème est très peu abordé dans les jeux de société, dans le wargame aussi. C'est un des premiers jeux, voire le premier jeu que je vois sur la partie guerre de Vendée, les Chouans, la Vendée militaire. Donc c'est les renforts des Chouans, là c'est les Vendéens et les Chouans qui viennent renforcer plutôt la partie Bretagne, mais on a des cartes de Chouans qui viennent renforcer. Donc c'est super intéressant. Moi je trouve de cette utilisation du thème historique, thème très fort. On retrouve des grands personnages des combats, hein, la Roche-Jacquelin, Charette, Stofflet, Kakino, Delbé, enfin, tout ça, c'est des noms qui parlent en termes d'histoire. Les colonnes infernales aussi, avec tous les combats, les massacres qui sont passés à cette époque-là, qui ne devaient pas être très drôles. Hein. Donc voilà, c'est vraiment aussi historiquement assez sympa, je trouve, de retrouver, de jouer avec ce jeu, avec des illustrations qui sont tirées, je pense, de gravures, historiques. Voilà, vous êtes vraiment porté dans le thème et c'est très bien fait. Facile à sortir, très rapide, petit jeu de cartes. Alors voilà, il y a un petit côté quand même hasard, hein, puisque c'est en fonction de votre pioche, bien évidemment. Donc vraiment, si vous piochez que les cartes qui vont pas et que ça va pas, ben, vite, passons à la partie suivante. Il faut l'accepter. Mais si on accepte ça, et ben, on passe un super moment avec ce côté bataille revisité. Mais en fait, c'est pas une bataille, quoi. C'est plus que ça, parce qu'il y a vraiment un côté stratégie de gestion de main. Il y a vraiment un côté petite question, gestion de main à avoir pour pouvoir jouer ces événements au bon moment et ne pas avoir trop de cartes, ça sert à rien. Parfois, n'avoir pas beaucoup, parce que pour vite finir la manche,
Parfois, en avoir, enfin voilà, il faut vraiment, je dirais, avoir la situation par rapport aux effets, donc c'est assez sympa. Donc allez voir, voilà, allez voir, c'est Chaco, c'est Vendée Militaire chez l'éditeur Chaco en français, précommande, qui permet de découvrir l'histoire de France, de redécouvrir l'histoire de France pour qu'on avait vu plus jeune, et là, c'est permet de redécouvrir cela, de se replonger dans ces heures de dans ces heures sombres de l'histoire de France, et de redécouvrir tout cela. Donc n'hésitez pas à aller voir Chaco. Et je fais un peu de teasing pour la prochaine vidéo, parce qu'on va continuer l'histoire de France, mais on va encore remonter encore plus loin en avant, puisqu'on va partir en Bretagne. En Bretagne en 1341. Donc voilà, c'est aussi chez Chaco, c'est aussi en précommande. Donc vous pouvez déjà regarder un petit œil, si ça vous intéresse. C'est toujours dans cette gamme Histoire de France, toujours deux joueurs. Et là, c'est un peu plus long, c'est 45 minutes. Et là, on va se battre pour la domination de la Bretagne. Donc 1341, voilà, à la mort du duc Jean de Bretagne. Et il va falloir se battre. Tous les prétendants, en tout cas, vont essayer de se battre, d'avoir assez de soutien des nobles pour monter sur le trône de Bretagne 1341. Mais voilà, ben j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude. Donc ça, ce sont les exemplaires prototypes. Voilà, pareil, il y aura peut-être des petites modifications de matériel, petites améliorations. Hein, donc je ne l'ai pas précisé en début de vidéo, mais voilà, c'est du prototype ou la pré-production. Je sais qu'il y a des, petits changements au niveau de l'insert, des petites choses pour vous donner un matériel qui soit de la meilleure qualité. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous les répondrai en commentaire ou avec l'éditeur, qui est vraiment très sympathique et qui échange beaucoup. Donc n'hésitez pas, faites-vous votre avis pour savoir si vous voulez vous lancer dans un mini wargame, c'est sympa, ça change, c'est pas un gros wargame, c'est facile à sortir, et ça peut être une jolie porte d'entrée pour découvrir tout ça. Moi, je vous souhaite d'excellentes vacances si vous êtes en vacances, sinon bon courage pour les travailleurs, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao les people!